泣ける 泣けますね。なんかあんなうるっとくると思う。危ない危ない。仕事柄セリフに引き込まれるところがあって、その一行一行が重いですよね。単純にゲームって思えない。切ない。ゲームボーイアドバンスマザー3。Salut à toutes et à tous, c'est Space Star. Suite au succès de ma vidéo sur Mother 1 qui a marqué le début de la série des ce chef-d'œuvre, j'ai décidé de faire un nouvel épisode de cette série. Et cet épisode va se porter sur un opus de la série Mother que beaucoup m'ont demandé de présenter. Et cet opus n'est autre que... Mother 3. Captain Hype! Mais quelle bonne surprise! Quel bon vent t'amène! Sachant que tu vas parler d'une grosse pépite que je chéris du plus profond de mon cœur, je me devais de taper l'incruste dans ta vidéo, je crois. C'est très gentil de ta part, mais tu sais que tu vas rendre ma bestiole pas contente? Il n'aime pas trop les invités surprises. Oh non, pas Mamushi. Il va pas sortir les crocs, rassure-moi. Malheureusement, si, il risque. Je crois que j'ai une course à faire. Mamushi, attends, doucement, il est gentil. Bon. Je vais profiter de la présence de ce très cher Captain Hype pour parler du troisième opus de la série Mother, Mother 3. Ou Earthbound 2 ou Earthbound 64. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il est jamais sorti celui-là. Mother 3, sans doute le meilleur opus de la série d'Itoi. C'était en 1994 que le développement de ce jeu avait commencé. Le jeu devait sortir à la base sur Nintendo 64, Japon uniquement bien entendu, sous le nom de Earthbound 64, et était prévu pour 1998 avant que son développement ait été annulé en août 2000. Seulement 3 ans plus tard, le projet d'Earthbound 64 revient d'entre les morts pour sortir le 20 avril 2006, après 3 autres années de développement, sur une autre console qui sera la Game Boy Advance, et un autre nom qui sera Mother 3. Et ce jeu a réussi à produire un certain impact international. Je laisse la parole à mon très cher ami, Captain Hype. Ouf, je crois que je lui ai échappé. Ah, c'est à moi. Donc, après sa sortie, Mother 3 eut un certain succès au Japon, où les critiques adulaient les graphismes, le gameplay, la musique, et surtout, l'histoire du jeu. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi pour toucher le cœur de Pierre de Reggie, le président de Nintendo of America. Suite au beat de Mother 2 / Earthbound aux États-Unis, il a refusé, avec le reste de l'équipe de Nintendo of America, que Mother 3 ne sorte en Amérique du Nord et qu'il offre un passeport pour l'Europe. Any plans to bring Mother 3 to America? Oh, yes. Everybody asking that. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Mais grâce au génie de Starman.net, une traduction non officielle, en anglais, a vu le jour et a permis non seulement à de nombreux joueurs de toucher cette pépite, mais également à des internautes français de traduire le jeu pour le public francophone. Et ça, c'est juste génial. Gros big up à l'équipe de Mother 3 VF menée par Jumpman, Antiflow, Lost in the Dark Vermil et Chromy pour avoir concocté un patch français pour Mother 3, car grâce à eux, les gens vont pouvoir connaître le taux de génialisme au maître de ce jeu. N'hésitez pas à aller sur leur site internet, que vous trouvez dans la description, afin de connaître le moyen de jouer au jeu qui va changer votre vie. Gros GG à vous les mecs. Bien, maintenant parlons un petit peu de l'histoire du jeu. Tout commence dans les Nowhere Islands, / île de nulle part, dans la Sunshine Forest, / forêt ensoleillée. Ouais bon, je vais directement donner les noms français. On y retrouve le personnage principal de l'histoire, Lucas, et son frère jumeau, Klaus, qui est du genre intrépide.
contrairement à Luca qui est fragile et pleurnichard. Ils passaient du bon temps avec leur mère, Inawa, et leur grand-père, Alec, à manger des omelettes, à jouer avec des dinosaures géants et à piétiner des taupe-grillons. Alors oui, contrairement à Mother 1, vous allez affronter beaucoup moins de lampes qu'auparavant. Bref, tout se passait bien jusqu'à ce que le même jour, mais la nuit, un incendie débute dans la forêt ensoleillée. À ce moment, vous prendrez le contrôle de Flint, le père de Luca et Klaus qui doit aller sauver des civils de Tazmili, un village se situant au sud de la forêt ensoleillée. Après avoir sauvé Lighter ou Briquet et son fils Fuel, ou Fuel, oui, alors avec Flint qui veut dire silex en anglais, on est loin dans le champ lexical du feu. Flint va se rendre compte que quelqu'un manque à l'appel. Sa femme Luca et Klaus ne sont toujours pas revenus de leur visite de chez Alec alors qu'ils étaient censés revenir depuis un bail. Mais que s'est-il passé, mon cher Hype ? Très bonne question, mon cher ami. Eh bien, il se trouve qu'un événement particulier a eu lieu. Avec l'aide de Bonnie, le chien de Luca, d'Alec et d'un jeune apprenti voleur du nom de Duster, Flint va retrouver ses enfants qui ont été sauvés par des civils de Tazmili. Seulement, il va apprendre une nouvelle assez frappante. En effet, Inawa, la mère de Luca et de Klaus, est décédée dès le premier chapitre. C'est l'un des événements les plus frappants du jeu. Le premier chapitre, qui, par la même occasion, se nomme « La nuit des funérailles », fait débuter l'histoire avec une violente tragédie. Flint va réagir avec colère à la mort d'Inawa et ne va pas s'empêcher de frapper ses amis avec un bâton. C'est clairement l'une des scènes les plus frappantes et les plus réelles que j'ai vues. Ce passage de l'histoire est extrêmement important car il va influencer le comportement de ses enfants par la suite, notamment Klaus, plus tard, qui va dire à son père qu'il veut devenir plus fort. Il va donc essayer de venger la mort de sa mère, tuée par une créature normalement pacifique, un drago. Oui, ces trucs sont censés être pacifiques. Pour revenir à Luca, il va rester caché dans son coin à pleurer la mort de sa mère. Il va comme s'enfermer dans sa coquille pendant 3 ans. 3 ans plus tard, il va finir par sortir de l'ombre et va apprendre à se débrouiller tout seul sans sa mère pour l'épauler. Pour parler un petit peu des défauts du jeu, parce qu'évidemment, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, c'est que déjà, si on le compare aux anciens opus de Mother, il n'y a pas vraiment le côté bizarroïde et étrange, car l'histoire de Mother 3 se veut plus sérieuse que les autres. On a donc toujours autant de blagues, mais on ne peut pas vraiment le comparer à Mother 2, qui lui a une histoire plus étrange, car on se rend compte que dans ce même opus... Tu ne voudrais pas plutôt garder ces arguments pour le jour où tu feras une vidéo sur Mother 2 ? Ah oui, c'est vrai, ce serait plus intelligent. Ce serait encore plus intelligent si je le terminais un jour. Pour parler du système de combat, contrairement à Mother 1, le protagoniste n'a pas de problème de santé et ne va pas faire de crise d'asthme durant les combats. Seulement, nous avons affaire à un système bien plus innovant, mais assez compliqué à manier. Les combats possèdent un système de combos basé sur le rythme. Il faut utiliser ce stratagème en fonction de la musique des combats. Ce système va d'ailleurs être repris dans le prochain fangame, Mother 4. De plus, la musique de Mother 3 se base sur beaucoup d'œuvres musicales déjà existantes. Ce n'est aucunement du plagiat, c'est de l'inspiration. Après tout, 75% de la bande-son d'Earthbound s'est basée sur les Beatles, le boys band favori de Shigesato Itoi. Sauf que les musiques de Mother 3 se basent sur d'autres œuvres musicales diverses et variées. Cela va de symphonies de Beethoven, Mozart et Tchaïkovski, aux thèmes de Godzilla, Cusco et de Batman. Oui, c'est ridicule, mais sans cela, l'esprit Mother aurait été totalement absent. En réalité, le jeu n'a pas énormément de défauts. Du moins, ils ne sont pas visibles du premier coup d'œil. Et il a tellement peu de défauts qu'on ne les cherche pas, car on se concentre plus sur l'histoire, l'atmosphère et les personnages du jeu. En effet, et bien que ceci soit une des plus grandes qualités de Mother 3 pour leur évolution au fil du jeu, comme Luca, qui pleurnichard de nature va mûrir au fil de l'aventure,
Il reste quand même dommage que le background de certains personnages, comme Duster et Kumatora par exemple, n'ait pas approfondi davantage. Mais il y a une explication à cela, et je vais pas la donner. Non, non, comme ça vous serez obligé de jouer à cette pépite. C'est pourquoi nous allons éviter de spoiler la fin du jeu. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la fin n'a rien d'épique, mais elle est... Très émouvante. Voilà, très émouvant. En parlant de fin, nous allons conclure avec la morale du jeu, avec le moins de spoil possible cette fois-ci. Parce que bon, je n'ai pas envie de me faire engueuler dans les commentaires comme pour ma vidéo sur Mother 1. Hé, je suis désolé, j'ai prévenu à plusieurs reprises que j'allais spoiler, alors vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. On peut revenir au sujet initial ? Oui, désolé, j'ai dérapé. Enfin, qu'est-ce que Mother 3 nous apprend ? Pour commencer, il a une morale très différente des autres Mother. La notion d'amitié et d'amour est présente, mais pas monopolisante. C'est un peu une morale discrète. Mais Mother 3 est un jeu qui, dans son sous-texte, diffère énormément des autres fictions en général, parce que ce ne sont pas les conséquences de la morale principale du jeu qui sont montrées, mais les conséquences de la non-application de cette morale. C'est pour cela que Mother 3 est caractérisé comme étant une tragédie, un drame, et que la fin, sans spoiler, est si émouvante qu'il fallait qu'elle le soit justement. En rendant le final horrible émotionnellement, parce que c'est ce qu'il est, une horreur, on comprend que quelque chose a échoué quelque part et on se demande ce qu'ont raté les personnages. La question du « comment on a pu en arriver là ?» fait surface. Et la réponse à cette question n'est pas si simple, parce que justement, chacun a sa solution au problème. Mais le jeu a l'intelligence de nous donner quelques indices à travers ces moments clés. Plus particulièrement, le moment qui a causé tous les autres, la mort d'Inawa, probablement le second moment le plus poignant du jeu, et pas tellement loin derrière la fin du jeu, à vrai dire. Mais la mort d'Inawa n'est pas le seul élément déclencheur qui a provoqué la suite de l'histoire, et cet autre élément déclencheur n'est autre que la réaction de Flint à la mort d'Inawa. Si on exclut les raisons de la mort d'Inawa qui remontent même à Earthbound et même encore avant. Et à travers cette réaction, Lucas et Klaus voient leur modèle, leur père, réagir au deuil par la colère et la vengeance. Ils vont se mettre en tête qu'il faut répondre à la violence par la violence. En soi, la morale de Mother 3 est simplifiable très facilement, au point où elle ne veut plus rien dire. Il ne faut pas avoir de mauvais sentiments, cela n'apporte rien. Mais ce que le jeu dénonce, c'est que cette morale est tellement simple qu'on tend à toujours l'oublier, et c'est dans notre nature humaine. Et pourtant, Itoi nous dit, à travers Mother 3, qu'il faut combattre cette nature instinctive, qu'il faut briser le cercle vicieux de la haine apportant toujours plus de haine, parce que c'est le seul moyen de faire renaître le monde en plus beau. Conclusion. Ce jeu est une perfection. Non, ce n'est qu'un chef-d'œuvre. Ah, te revois la Mamushi. C'est... Quoi, tu cherches Captain Hype ? Il est déjà parti, en fait. Quoi, mais... Non, mais attends, Mamushi, c'est... Bon, je vais le laisser courir, ça va lui faire faire du sport. Enfin, merci infiniment à Captain Hype pour sa participation. Si vous ne le connaissez pas, il fait des théories sur Undertale et fait des petites chroniques sur divers jeux Nintendo. Oui, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est fan de Nintendo. Et en plus, il est membre des Dragon Devs dans mon projet de fangame Earthbound. Oui, je sais, ce n'est pas un argument, mais j'avais envie de le dire. Bref, allez voir ce qu'il fait, car son contenu respire la qualité à plein nez. Enfin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Ne me demandez pas tout de suite de faire une vidéo ce chef-d'œuvre sur Mother 2, car je ne l'ai pas encore fini. Oui, je sais, j'ai un projet de fangame Earthbound, mais je n'ai pas fait l'opus le plus connu. Je suis un boulet, je sais, pas la peine de me le rappeler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à celle de Captain Hype, à me suivre sur Twitter, et rejoignez le groupe de discussion sur Dragon Dance. On s'y amuse bien, l'ambiance est cool, vous ne le regretterez pas. Sur ce, je vous dis à plus, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui, et cette fois c'est vrai, sera une in-théorie. Ciao ciao !